Allez, bonsoir à tous. Et on va jouer en harmonie ce soir. Oh non! C'est dommage. Correct. Terrible Rimmel, alors t'as vu ça? C'est un gold. J'arrive en vogue à la fin de la course, à Brumad. Thank you.
c'est la trame de vulnérabilité. Là, si le boss il est à nouveau, je fais bien rien. Dans le VOC en tout cas. Yo. Salut. Bien, bien. Ah bah être survivant. Pour l'instant. Ouais pour l'instant. Y a pas de haut champ. Y a pas... Oh bon, moi je me fais passer, j'ai trop dû à faire. Bah là en fait j'ai acheté Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Xenoblade Chronicles 2 qui est dans sa boîte depuis que je l'ai acheté. Et ça fait un an et demi que je l'ai acheté. Voilà, voilà. Parce que si tu veux, en fait il a pas eu de bol Xenoblade Chronicles 2. Il est arrivé au moment où je finissais Crazy de Sky of the Third. Que j'ai enchaîné direct avec Trails of Cold Steel parce que Orb m'a tanné pour que j'y joue. J'espère que tu n'as pas lâché. Je n'ai pas lâché, j'ai joué à Trails of Cold Steel direct. Et manque de bol, après, bah, ça a été la période où j'ai commencé à m'entraîner pour la speedrun de Mario Kart 8 Deluxe. Que j'ai pas lâché, mais le problème c'est qu'après Marathon, bah, il y a eu Pokémon qui est sorti. J'avais aucune idée de speedrun Mario Kart. Ah voilà, maintenant tu sais. Oh, t'es plus loin, je peux plus speedrun. Oh, tu sais, les speedruns de Respawn deviennent même facilement. Ouais. Et donc là, bah, je fais la catégorie 48 maps, c'est-à-dire que je fais toutes les maps du jeu et ça prend 1h40. Ok. Oh là là, j'ai plus 23 là. Plus 23. Je crois que je suis sur les bases de mon PB en. En Nitro, c'est SS premier map. Oublie pas que bientôt il y a Persona. Oui, bah je pourrais pas l'avoir des one. Ah voilà, putain, triste. Enfin, si, à voir, mais peut-être soit l'an prochain, soit l'an après. Je suis pas pressé. Je sais que j'avais pris cause sur Amazon parce qu'il y avait la collector en 60 balles. Au final, j'ai plus l'essentiel, du coup, j'ai plus la fin. 90 balles, mais c'est très logique. Par contre, t'es mute. Ah, je suis mute ? Non, c'est bon. Okay. Le truc qui est cool en 200 CC, en fait, c'est que les items, ils prennent 10 ans à arriver. Genre, il y a un jour, j'ai outrun la carapace bleue pendant 20 secondes, je crois. Pendant la moitié d'un tour. Ah la madame. Ah la madame, c'est mal. Je crois que la savana m'a fait perdre environ 6 secondes. Comment est-ce qu'on joue à Doom? Franchement, il m'intéresse pas des masses. Non, faut que je dise à un pote que je suis parti en vote ici. Bah attends, je vais faire un groupe avec vous deux. Mais c'est avec Charles. Pourquoi ? Avec Charles. Ah, Charles, okay. Ouais. Ça m'a fait perdre 4 secondes. Ah! Je m'y perds. Attends.
libère. Voilà. Faire de la manutention quand t'es un run, c'est pas un bon bail. En fait, ma seule pause, c'est les 15 secondes de chargement entre deux maps. Ouais. Donc y'a pas de repos en fait. Y'a pas de repos, je vais là parce que. Parce que t'as fait un terrain beaucoup assez vite. Tu vois, là, j'ai autre run la carapace rouge pendant bien 10 secondes là. Et puis après, t'as vu de baleine maintenant. Oui, non, mais il y en avait une deuxième. Parce qu'en fait, dans ce Mario Kart, les objets que t'as, ils sont dépendants de la distance qui te sépare du premier. Donc si t'es deuxième, tu peux potentiellement avoir une carapace bleue en deuxième. Ou une étoile. Ouais. Là, il y a une bleue qui arrive, là, donc c'est un peu chiant. Avant c'était par rapport à ta place, à ta position. Ouais. Avant c'était dans le jeu à 4 c'était ta position d'emplacement. Et en fait, par exemple, il y a des positions qui désactivent entièrement des objets. Genre là par exemple, quand je suis premier, les seuls objets que je peux avoir c'est une pièce, une banane et une carapace verte ou un claquement. Et j'ai 50% de chance d'avoir une pièce à chaque fois. Mais je peux pas avoir de pièce à la fois. Et en fait le truc que je vais faire le plus souvent en fait c'est chain les items pour obtenir un klaxon en fait. Alors. Je sais pas que le dernier Mario Kart, que j'ai joué, c'était oui. Et puis après ça, j'ai un peu lâché. Alors. Mario Kart, oui, il a encore joué en compétitif. Parce que genre, je sais pas si tu connais Winfi. En fait, c'est des serveurs privés pour jouer au service en ligne de la Wii. Parce qu'ils ont été shut down en 2014. Sauf que tu peux quand même continuer à jouer en ligne. Attends, c'est l'histoire de... Faut mettre un DNS, c'est ça. Un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça, ouais. Je sais pas si c'est comme ça, donc... Ça s'appelle Winfi. En fait, ça a été popularisé par un truc qui s'appelle le Mario Kart Custom Pack Grand Prix Revolution. Ok, c'est clair. En clair, c'est des gens qui ont créé leur propre map pour Mario Kart. Putain, c'est bon, ça. Et je crois que c'était la nuit dernière ou la nuit d'avant, il y a un gars qui a fait un speedrun de 214 maps custom. C'est ça lui a pris 7-8 heures, je crois. Ok, là j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai voulu cliquer. On va perdre mon speed. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que même avec la situation en Chine, tout ça, les prix des composantes informatiques n'ont quasiment pas monté. Attends, je vais aller en call avec Brimé, avec Ulvin et je t'invite dedans. Ouais, vas-y. Yep. Yo, j'essaie d'ajouter Brimel ici. C'est un peu planté. Je suis à plus 13 là, donc ça va. Plus ou moins 13 ? Plus 13. Mais moins 13, pardon. Ça va. Et j'ai bidé. GG. Je suis pas concentré. Concentre-toi. J'ai
The Catch Room. Ok, let's go. J'ai streamé. Je vais me faire très, J'ai failli sub sans contre l'ARB. Parce qu'en fait, je me suis fait target à l'avant-dernière course, et ça m'a fait finir 8. Parce qu'il sait faire 2. Donc j'aurais fait 2, j'aurais fait 5 tueurs. En ami sur Discord. Pourquoi? Si tu peux, invite-le. Mets le vent. Non, Brimel, j'ai dit Brimel. Ah, Brimel, c'est qui? Le gars qui était avec nous au karaoké. Avec eux, on avait galéré à rentrer. Et t'avais ajouté Je l'ai, je crois. Bah, ajoute-le, s'il te plaît, si tu veux. On attend deux secondes. Tac, comment on fait? User settings, c'est pas ça. Add people, add friends to DM. Ajoute-le dans le call, s'il te plaît. Ok. Ouais, c'était violent quand même. Voilà, c'est bon. J'ai gold. Mais je suis super loin de toi en fait, parce que je suis au début du troisième tour. Je suis à 18, 47, 48, 49. Ouais, je suis 30 secondes derrière, je vais remettre à 160p. Vas-y. Du coup, je suis repassé en World Money. Si je peux faire un run, je sais plus le 40, franchement, c'est bon. Ouais, du coup, j'ai sans doute un 48 aussi pour BSG. J'ai vu un marathon pour l'autisme qui a lancé ses submissions. Je vais essayer de s'abonner dedans, c'est pour 100 mètres. Ouais. Donc, ouais, c'était le. En gros, pour le BSG, j'ai peut-être mis un 32, un 48, un 16 au shoot. Ambitieux, hein, parce que ça peut tomber sur le rétro. Ah, ok. Non, parce que. Pour Brimel, donc il y a 48 maps dans le jeu qui sont découpées en 3. Donc t'as Nitro, c'est les 16 premières maps du jeu.
Ensuite, c'est le rétro, donc c'est les maps d'anciens Mario Kart. Et après, il y a les DLC, donc bonus tracks. Oh, parfait, la rouge. Les bonus tracks, c'était là qui étaient DLC dans Mario Kart 8 sur Wii U. Et donc, chaque run fait à peu près une demi-heure. 35 minutes plutôt. Et donc, quand tu es le bout à bout, bah, ça fait un run d'une heure 40, une heure 45. Quelle est la heure 1h40, 1h45. Ouais, c'est ça. Bah, double carapace, c'était mal. Oui, non, non, j'ai pris que la rouge. J'ai pris que la rouge, pas la blanche. Ouais, mais... Non, j'étais dans les tombées de la crise de vulnérabilité. Je vous entends super mal par contre. Vous êtes en train de stutter aujourd'hui là. Je crois que c'est Discord qui lag ce soir. Ouais, Discord il est un peu en PLS ce soir. Il y a trop de gens à coup. Ah, par contre, je vois que tout est temps, c'est une horreur. Ah, je vais zoomer un peu alors, je trace à la fin de. Ah, ouais. Non, mais t'inquiète, hein, mais là, j'ai du mal à voir ton écran, c'est casse-cou. J'ai regardé en full screen. Alors, en full screen, hein. J'ai regardé si je drop pas un peu, moi, parce que. Non, y'a pas de soucis, là. Je pense que c'est une connexion qui déconne aussi. Et là du coup pour un devoir en. Oh, le tuyau pour un devoir en cours de presse écrite, je dois faire une critique. Donc je vais faire un test de 16 fois. Par contre, j'ai droit qu'à. Attends. Je vais faire une critique. Ouais. Une école de journaliste. Non mais je sais, je peux voir. Mais la plupart des devoirs qu'on a, c'est souvent sujet libre. En fait, la quasi-totalité des devoirs, c'est sujet libre. Après, des fois, on nous impose des thématiques. Mais sinon, la thématique, on la prend comme on veut. D'ailleurs, bah, par exemple, le dernier devoir que j'ai rendu, c'était pour le cours de GRI et montage. Puisque souvent les devoirs qu'on fait dans ces deux cours là, GRI, c'est-à-dire journaliste sur reporter d'image. Ouais. En fait, le cours de GRI, le cours de montage, en fait, ils sont l'un après l'autre. Et du coup, on les fait en classe entière pour mutualiser les travaux. Et en fait, le dernier truc qu'on avait à faire, c'était un sujet sur les municipales. Et le sujet sur les municipales, on l'anglais comme on souhaitait en fait. On faisait ce qu'on voulait derrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé une candidate dans le 19e arrondissement, qui est la seule femme transgenre, la seule personnalité transgenre qui était candidate en Paris. Mm-hmm. Ils se sont fait démonter, mais... écoute, d'ailleurs, j'ai toujours pas envoyé l'un de l'internet. Tu m'avais demandé. Et j'ai bidé. T'as combien de secondes devant? 22. Et ouais, mais c'est fait en sorte que sur les frôleurs, sur une grosse topette, sur une topette du tout. Alors, je vais gauche. Au moins, le timer soit un peu plus. J'ai parfait que la swag strat. Tu étais le best strat que j'ai fait pour le. Oh oui, ben. Mais moi je l'ai perfect la strat. Ah, j'ai fait une tentative de strat. Oui, j'ai bah. La strat, j'ai tenté la strat. Oui, oui. Respect. Non, par contre, j'ai fait une RNG. Deux mails. Elle était dégueulasse, la radio. Oh, extra. Non, mais rien que le début, j'ai cru que j'allais reset. Hein. J'aurais reset, perso. Ah, bonjour, monsieur Carl. C'est un vieux mème, hein, bonjour monsieur. En fait, ce qui se passe, en fait, c'était dans un match de MKU où on est tous concentrés. Et là, il y a une joueuse de l'équipe, genre. Et elle a dit dans le troll, vraiment dans le troll, elle a dit bonjour monsieur l'arbre. Et genre, bon, ça nous a déconcentrés pour la fin de la course, mais tous en fait. Hein. C'est pas du 4 secondes. C'est marrant ça.
Mais vraiment, elle a dit ça, mais dans le neutral, quoi. On ne s'attendait pas. C'est bon, j'ai un peu augmenté la taille du... Ok, c'est bon. Merci. Je suis à plus, moins 18. Je suis sur une pace de... Ça va. Oh non, mais pour l'intro, pour l'intro. Donc. Rappelle-moi, c'était combien le temps que t'avais fait sur le micro dans ton prévu? Attends. Je peux voir, mais je pense que je suis sur une base de l'O34 pour le coup. Bah, c'est juste que j'ai vu dégueulasse et j'ai perdu ça pour 33-38. Non, ça fait 34-0-0. C'est entre 30-38 et 34-0-0. Ça fait 34-0-0. Donc, du coup, on estime que pour un nitro, un temps respectable, c'est 34. En dessous de 34-20. Genre, moi. Pour moi, c'est 34. Ouh, le bot, il a bombé, mais. Oh, c'était violent. Ça, c'est le genre de bombe où Vanny, il aurait mis le bar à l'extra. Ouais, tu t'es fait complètement derrière ça. Je suis très cher là. Parce que on le rappelle, hein, Mario Kart 8 Deluxe, c'est un jeu génial sur lequel on aura zéro. Jamais. Absolument jamais. C'est pas du tout un jeu de merde. Hein. Ah non, pas du tout. Je ne te vois absolument jamais rager sur Mario Kart 8. C'est pas du tout. Ah, et le pire, c'est que pourtant, je suis calme. Hein. Ah, je suis pourtant... Ah, mais moi, je rejette. Putain, mais tu... Dans tous les sens là, sur CC, il se passe quoi là? À gauche, je crois. Oh là là, c'est... Oh, la verte a été légendaire là. Oh là là, mais non. Non. Le jeu il a dit non là. Le jeu il a dit non là, Marcus. J'ai perdu beaucoup de temps là. Ah non, mais là c'est à mon avis, tu passes dans le rouge, genre là. Tu sais quoi? Attends. Non, je... Ouais, je crois que j'ai passé dans le rouge, j'ai pas beaucoup de temps. Oh... Ah, BDD. Alors, BDD, c'est la première map vraiment, vraiment dure du raid. Autant, depuis le début, j'appuyais pas des masses sur le bouton de frein, là, j'ai beaucoup appuyé dessus. Même en 150, quand on joue en War dessus, ça me fait chier de la voter en fait, quand on la vote. Je vais passer sur mon. Tu restes en cours ou bien tu. Non, je suis en commentateur. Ah, ok. Je devrais rester en vert après le début. Alors que je te dise, ouais, t'as à peu près un truc de retard sur moi. C'est ton bébé là? Ouais. Par rapport à la run que j'ai fait. Sérieux? Oh bah la bleue. Ah mais j'avais un BDT, j'avais pas un trop mauvais BDT en plus, je crois. Je suis encore 11 secondes devant sur un BDT. Ça va. Et c'était un gold. Ça va. Donc là sur mon PB, le nitro est en 34-19. Ah, quand même. Mon bébé nitro est en 33-58, pour rappel. Donc si je joue bien, je peux gratter le bébé nitro.
et Miley Cyrus 1 sur 1. Joli super Fanny. Merci. C'est parce que je n'utilise quasiment plus en fait mon ordinateur portable. Et bah, il se trouve que j'ai un clavier mécanique. Voilà, le clavier mécanique. Et Miley Cyrus 2 sur 2. C'est bon. Et un jeu qui bon aussi. Très joli. Je dis ça, mais mon PC était dégueulasse aussi. Tu vois ce que ça veut dire, Miley Cyrus, Grimmel? Bah non. La boule. Oh putain. Ah, il a compris. Oh. Il a compris. Je dirais bien, ça vole pas haut, mais au contraire, ça creuse. Et deux chocs sur BC, c'est pas mal ça. Ah, il y a la bleue qui arrive aussi. La soule. Et attention. Oh, j'aurais aimé voir le. Miley Cyrus 3 sur 3. Miley Cyrus 3 sur 3. Oh. Ah, c'est le pire. C'est tellement dommage. Terrible désillusion. Assez dommage. C'est quoi, c'est 32 kills ou 32-06 ce soir de base de... C'était 32-0-0. Mais non, j'aurai pas PB ni quoi. Ah là, ouais, c'est moi qui t'ai un très très bon RR, hein, ça me pique. Hein. Je pense que je vais faire un 34-0X. Ouais. C'est vrai que t'es pas très très bon derrière le temps que j'ai fait. Hier, ouais. Parce que le pire c'est que moi RNG dégueulasse ou pas, je suis méga constant en fait. Non, c'est pareil. C'est pour ça que mes 35 000 des stupettes est quand même très bon. C'est pour ça qu'on peut mettre 35 000 des stupettes quel que soit le sur les régions. C'est ça qui est cool. Une meilleure joueuse. Ah oui, t'as vu RR, d'accord. Il était désastreux. Il était ignoble. Genre, je me fais quand même bum. Je t'ai fait bum dans le vide, et ça c'est beau. Je me suis fait bum sur le. Comment ça s'appelle? Je me suis fait bum sur les boosts. Et ça c'est beau. Je me suis fait bum sur les boosts, je sais pas comment. C'est ignoble. Je sais pas de ce que c'est. Il était mystique celui-là. Ça sera un 34-18-19. Oui, Brimel, on est capable de déterminer un temps comme ça. Pas forcément déconner. Oula! T'as un peu joué avec le feu là quand même. Pas du tout. Je vois pas ce que tu parles. Tu vas prendre le feu? J'ai hésité à me balancer la bombe dessus quoi, Doc. 34-16. 34-16. C'est un peu stratégie. Hein? Mais tu sais que je l'ai déjà fait en run ça. Ah, j'ai déjà fait aussi. Bon, allez, je te laisse. A plus tard. Mais reviens après, de toute façon, je pense que je serai encore en live. Oui. Bah non, tu seras encore en live. Allez, salut. A tout de suite. Prairie même. Ça va aller vite. Alors là, les trois maps à retenir sur la partie rétro viennent à la suite. Les trois viennent à la suite. C'est Stade Wario, PC Musical et Royaume Sorbet. C'est une
une map qui est très 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 technique. Non, oh, je suis vraiment avec le Waluigi comme un con. C'est ça, vu par Waluigi, tout le monde aime cette map de toute façon. J'avais cette map sur Double Dash. Non, non, cette Waluigi, ça, ça c'était sur. Je pensais que je parlais. Ouais, okay, c'est... J'ai confondu. Le cette Waluigi était génial. Et j'ai quand même perdu du temps sur la map. Oh. Ouais, j'ai perdu 2,35. Alors, le pneu sera le juge de la map. Tu comprendras après. Parce qu'en fait, en 200cc, je vais prendre des raccourcis sur chaque million. Ok, c'est bon pour le pneu. Je prends la bleue. Oh, ça lag distance, c'est terrible. Ah, oh, c'est violent ce soir. Sale. Donc, tout à l'heure, je voulais utiliser le voice mode pendant mon match. Et ça marchait pas en fait. C'est le truc qui permet d'identifier qui parle. Et il marchait pas. C'était merde. Parce que du coup, je voulais conserver la. Je voulais conserver la VOD pour, mon... pour YouTube et. Et c'est un gold. Non non, gold ça veut dire que c'est le meilleur fouet de la meilleure le meilleur segment en fait. Enfin, c'est le fouet la plus rapide où j'ai fait la map en fait. Non, non, ça avait bugué, j'ai entendu et c'est pas de bol. Ah non, c'est un gold. C'est un gold. Ou un glode. Il y a que les vieux du stream de MB qui s'en souviennent de ça. L'époque où MV streamait sur eLive Dot Pro. Un site tout rousse qui a fermé en 24 heures et qui a pris ses archives avec lui. Ça remonte à quoi, 2012-2013? Je prends un coup de vue en disant ça là. 2012-2013. Non, j'étais pas prêt à live stream de quoi. Bah en fait c'est le moment où j'ai commencé à consommer des speedruns en fait. Déjà à l'époque Mialmiaf pour le Vandal, ouais, mal ça. Je sais pas si c'est vraiment un speed du jeu. A chaque fois que je prends une carapace bleue, j'ai un klaxon d'après avec un chiffre. Je sais pas si c'est un script très Google, mais voilà, par exemple. Ah oui, effectivement. T'as vu? Je sais pas si c'est un script, hein, mais... Bah, si ça arrive à littéralement 100% d'occurrence, oui, non, je sais pas. C'est pas 100%. C'est pas 100%, mais c'est arrivé beaucoup de fois pour que je le rappelle. Pour que je le remarque. Enfin, suffisamment de fois pour que je le remarque. Alors, la pire map du run.
voiture, une. Je sais pas, c'est pas fait. Elle est horrible, elle est anxiogène en fait. Genre. Elle est anxiogène, c'est pas fait. Il y a des gens qui sont dit. Alors, le cas, c'est un le cours. En le cours privilégié à la rapidité. Est-ce que c'est pas d'obstacles mouvants sur. Bah, c'est une bonne idée. Elle est hyper anxiogène, c'est pas fait. C'est encore plus anxiogène. Tout à l'heure, tout à l'heure, voiture, un samedi matin à 10h. À Paris. C'est plus anxiogène que de prendre le RER 1 un lundi matin à 8h. Un jour de pluie. Et ça, connais ça. Bah, en fait, c'était mon quotidien quand j'étais en stage en BTS. C'était mon quotidien pendant un an. Je pense qu'à Matt on se souvient très bien parce que c'est le mousse des. Où il était arrivé dans la commune. Et c'était de très très chiant à l'époque. Parce que ça allait déjà pas bien. Non, moi à l'époque je faisais. Une puce à 5h. Je faisais une puce à 5h13. Train N. Métro. Attends, ouais non, train U, RER D, non, RER A, métro 4, RER D, tramway 5. Oh là là. Et en cours à Sarcelles. Je te cache pas, j'ai pas trop fait de bien. Quand c'était en seconde, il y avait une meuf qui habitait au Muro, qui venait en cours tous les jours à Versailles. Bon, après, le twist, c'est qu'il y a un bus qui va directement de des Muro jusqu'à Versailles. Et après, le lycée était directement dans la gare du bus. Dans la rue du bus. Je sais que t'as le stand qui fait des muros Sky, mais je sais pas ce que vous voulez qui fait des muros d'Apaï. Le 19, ou le 9, c'est cool. Le 19. Le 9, il va passer. Bonjour, bon, quand t'es loin, on est un bus direct, bah, c'est bien, quoi. Et alors, dans ma classe, dans la L1, il y avait une meuf qui venait depuis Villebon-sur-Yvette. Ouais. C'est à côté, ça. Et pire encore, il y avait une meuf dans la au deuxième semestre, et elle venait de Courville-sur-Eure. C'était à la première Ella, enfin première Ella anglais quand j'étais à la Sorbonne, tu sais, j'étais à fini un cours. Le truc c'est que je prenais un bus de Terminus et Terminus, et ensuite un métro de Terminus et Terminus. Et t'as pris, tu prenais 475 hein. Bah évidemment. Ce bus m'a sauvé la vie, hein, je me dis pas assez. Pendant la grève au printemps 2019, que je devais quand même aller à l'extra life le mercredi pour le Uno. Écoute, très bien. Oh putain, mais à la fin du confinement, on va tellement faire le meilleur. J'avais encore les meilleures sorties. Je te cache pas. Ça va tellement faire les meilleurs events. Je te cache pas. Ouais, je te cache pas. Genre là, il y a eu une amie, elle me dit ouais, go en boîte. Alors que j'aime pas aller en boîte, mais là je crois que lui quand même, comme y aller. Bah, en fait, la première fois que je suis allé en boîte, c'est parce que c'est un de mes amis, mes proches qui fêtait ses 25 ans, il m'a dit. Si tu viens pas, je ne cherche pas la peau du coup. Ok, non mais ça sera pareil, ça sera pareil aussi. Et c'est le même gars qui m'a vendu la PS4 au printemps, à l'automne dernier en fait. Parce qu'en fait, là, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'en décembre, il a démissionné de son poste dans sa... Il est ingénieur d'affaires. Il est ingénieur d'affaires. J'ai pas entendu. Il est ingénieur d'affaires, les gars. D'affaires. En clair, ça veut dire qu'il fait il est ingénieur, mais il est aussi homme d'affaires, tu vois. Ouais. Mais un financier, tu vois.
et il a démissionné de son poste. Il a vendu son appart à Versailles. Et en fait, il a plus aucune attache. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il a pris un sac, il a pris une valise. Et il fait le tour du monde. Bon, par contre, ça a tourné un peu court vu que cause du Covid, mais. Mais là, il veut faire un mois par pays. Ouais. Et ce gars-là, c'est un modèle pour moi, en fait, dans sa manière de réfléchir. Enfin, c'est quelqu'un qui. Faut l'entendre parler pour comprendre, en fait, ce gars-là. Mon retour de stream, il est un peu planté pendant une seconde là. Ouais, là, il va se planter une seconde. C'est con, hein. Mais c'est la gestion des influx solaires, genre sur l'eau et l'eau en général. Et d'une certaine manière, ce jeu est beau. Ce jeu est super beau. Après, moi, j'y ferais pas hyper attention, mais. Forcément, c'est pas trop quand tu joues, mais quand tu es spectateur, tu te remarques. Ah bah oui, bien sûr. Je me souviens que j'avais donné le lien du stream à ma classe de l'année dernière. Et ouais. Il y a quelqu'un, le pseudo, c'était Ligament Croisi. C'est pas quoi ça? C'était mort. Oh le dingue. Ligament Croisi. Franchement, la blague était tellement géniale. Alors, son but, c'est mon raid, hein. Il avait raid. Ouais. Il s'était mis à 15 et ils sont stand-up. Incroyable, c'est bon. Demain, on a mis Tom à distance avec Augustine. Oh là. Oh, ça va être un grand moment, ça. Ça va être un grand moment. On va être minimum 4 en vocal à se faire son putain de midterm. Ah, ça va être un grand de l'UVSQ, ça. Ce moment, il va rentrer dans l'histoire. Je peux pas dire grand moment de télévision, mais donc. Non, grand moment de télétravail, oui. Voilà, c'est bon. Et du coup, j'ai acheté hashtag FE sur des maths. Ouais. Par contre, mais comment le texte en anglais, parce que j'ai pas joué en français. Le texte en anglais, c'est pas mal. Oui, non, mais comment en fait? Il faut mettre la structure en anglais. Bah, je suppose, parce que moi j'ai ma structure en anglais de base. Bon, c'était une bonne surprise. Moi qui étais. Je vous l'ai dit de base. Non, mais je sais que tu l'as dit, mais bon. Voilà, bon, on dit. Awakening et Shadow Dragon. Encore. Avec des idoles. Avec des idoles. La J-pop. Ah. Après, je suis un méga whip de base, donc on va pas se mentir, mais. Voilà. Moi, je suis pas un whip. Du coup, bah. Là, j'ai raison d'être un peu. Mais en fait ça passe, ben, t'as quelques moments un peu de temps en temps, mais pour la plupart ça c'est dans tous les RPG. Ouais, même... mais celui-là peut-être aussi. FF10 Je vais pas jouer. J'ai toujours été team à Dragon Quest. Mais est-ce que tu as joué à Chrono Trigger du coup? Bah évidemment. Est-ce que c'est toujours le meilleur RPG du monde 22 ans après sa sortie? Évidemment, bien sûr. Évidemment. Et qui a besoin d'un remaster? Tellement pas. Absolument pas. Tellement pas. Ah non, mais je lutterai à vie pour qu'il n'y ait jamais de remake de Chrono Trigger. C'est un jeu qui n'a pas besoin de remaster d'ailleurs.
En fait, si. Celui de la DS était parfait. Celui de la DS, c'était Chrono Trigger en 100 fois mieux. Voilà. Je pose ça là. Oui, oui, clairement. Salut Strakel, bienvenue sur les streams. Donc là, on arrive sur les trois maps dures à la suite, là, et j'ai bidé. Genre, vraiment, Stad Wario, en 250, je l'aime pas les masses. Mais alors, en 200, je la crains. Est-ce que c'est un peu la mine Wario? Bah, la mine Mario, tu vas la voir tout à l'heure, mais elle est beaucoup plus agréable que chez moi. Parce que déjà, parce que... C'est quelque chose, hein. Oui, bah oui, je l'appelais la mini route arc-en-ciel. Quand je voulais faire le fou à faire une run en moto, tu vois que ton pote choisit la mine Mario et tu sais déjà que tu vas passer un très mauvais moment. Bah écoute, moi je jouais en moto, mais en moto inward, c'est-à-dire... C'est-à-dire t'as coupé. En moto inward. C'est-à-dire qu'en fait il y a deux catégories de motos. Il y a les motos qui dérapent à l'extérieur du virage et les motos qui dérapent à l'intérieur du virage. Et bah moi je veux c'est genre le deuxième type de moto. Qui sont évidemment plus durs à manier. Et donc après il y avait deux catégories de joueurs dans le jeu. T'avais Funky Kong Flame Runner, donc Mega Buzzer. Et t'avais Flunk et t'avais les Daisy McBike. Moi c'est Daisy McBike. Flame Runner c'était Game Mother. Ouais, moi c'était Team Daisy. De base. De base Daisy. Voilà. Je crois que j'ai perdu un peu de temps sur Netflix. Il y a bleu qui arrive, c'est bon. Là on arrive à Royaume Sorbet, ça va être tendu. On est déjà 5 sur le lit, sur la live. 5. C'est 5 fois plus que 1. C'est ma moyenne de joueur. Je dois bien admettre que j'ai dormi après mon live sur Minecraft tout à l'heure. Ah, c'était mort. Ma mère a eu la bonne idée de me réveiller beaucoup trop tôt pour un dimanche. Quelle idée tu l'as fait là, moi. Changer du bain. J'ai tapé ma belle grâce jusqu'à midi. Bah, si tu veux, moi avec mes horaires de cours habituels, moi bah 11h c'est l'heure à laquelle je me réveille de base, enfin 10h30, 11h. Ouais. Bah, vu que je pars de chez moi à midi et quart. Que je prends du temps pour parler un peu avec la réceptionniste. Et puis quand je parle à la réceptionniste, elle me fait, tu veux que je te monte ou pas? Monter avec l'ascenseur, j'entends. Oui. Là, ça, il aurait dit là, il aurait dit titre, tu vois. Titre. Ceci. Hey, j'ai gold. Allez, piste musicale. Et là, ça commence à être difficile. Okay. J'ai très bien. Okay.
Là, je sens que j'ai une prod bleue dans pas longtemps. J'aurais pris l'éclair d'abord, ok. Ça, plus une mini chute. Mini ou pas, une chute c'est pareil, hein, ça m'entre pas. Donc là, le blooper, il me fait perdre tellement de temps. C'est marrant parce que les bloopers, ça m'a jamais joué le blooper. Alors, dans Mario Kart 8, il est énervant. Parce qu'en fait, il te fait prendre plus large les virages. Et en deux sens, c'est vraiment dérangeant parce que tu cherches à optimiser tes trajectoires. Donc là, Valley Yoshi, ouais, c'est... Je sais pas si j'ai envie de faire Doom ce soir ou si je le garde pour demain. Je crois que je vais le garder pour demain. La dernière fois que j'ai dit, ouais, je vais essayer de finir un jeu ce soir, ça fait avec cette fois. J'ai commencé le dernier donjon à peu près à cette heure-là. Ouais. J'ai joué jusqu'à 4h du mat. Et le problème, c'est que je suis resté jusqu'à ce que ma mère se réveille pour aller au boulot et... En état de choc, je suis devant mon écran en fait. Parce que pour donner une idée, ma mère se lève à 5h15. Je suis resté vraiment jusqu'à 6h30 en état de choc devant ma télé en fait. En état de choc? Ouais. Enfin, en état de choc. Je. Disons, j'espère que hors de regard pas. Si c'est le cas, vous avez 10 secondes à partir à partir de maintenant. Et vous revenez dans 2 minutes. Qu'est-ce que je devrais te spoiler la fin du jeu en fait là. Ah d'accord, ouais. Vous avez 10 secondes pour partir. Et reviens en 2 minutes. Ok, donc en fait ils ont tué 4 des personnages principaux de la série en fait. Avec un qui révèle que c'est un connard et qui a tué un autre personnage dans le dos. Et ensuite, donc il y a le héros qui a complètement pété un câble. Et donc le prince qu'on a sauvé dans le 2 est un immense fils de pute. Oh, on aurait dû le laisser crever dans le 2. Gol. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc le prince qui donne l'ordre au traître de faire exploser un avion où il y a respectivement 3 personnages qui étaient venus nous aider. C'était limite la cavalerie arrive, et la cavalerie bah elle a explosé en plein vol. Ok. Donc voilà. Ok. Et le jeu se finit là-dessus. Sur un méga cliffhanger. Ok. Non, j'ai pas tout quoi. Moi, je pense que la Doom, c'est pas aussi profond. C'est t'avances, tu massacres la reine, t'avances, tu massacres une autre reine, tu répètes. Et après, tu te bats contre le boss final, mais je vais l'accuser parce que bon, ce serait dommage. Après, ouais, le problème de CS3, c'est que j'ai cassé la difficulté du jeu. Je ne peux pas casser la difficulté du jeu, c'est pour ça que Doom est supérieur à CS3. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas joué au Doom, j'ai pas mis tout. C'est bien. Bah, en fait, il faut se dire que les combats contre des trash mobs, en général, ils durent à peu près moins de 20 secondes. Tous. Tu piques l'RPG, quoi. Comment? Tu piques l'RPG.
Bah le problème c'est quand tu fais à peu près le même exploit contre les boss et que les boss durent moins de 2 minutes aussi. Ah! Ah voilà. Voilà, voilà. C'est effectivement drôle. Et à tel point que bah, le jeu te prive d'utiliser ta personnage parce que le jeu, ils ont compris eux-mêmes que c'était très bien. Mais j'aurai une solution. Gold. Alors, Ego Piranha, c'est ma très compte. Ah bah j'ai cramé encore, je crois que j'irai pas cramer dans ce run. Si je PV ça va être dur parce qu'il va falloir que je monte le run ce soir pour le submit. Ouais mais si je l'avais pas ce soir j'oubliais. Vu que demain j'ai pas de cours donc je me réveille à 13h-14h je pense. En fait demain j'ai pas de cours et mardi non plus j'ai pas de cours mais je vais au jeu. Tu veux ton tableau ou du coup je suis ton partiel. Ton partiel. Non, je suis à ton partiel. Oui, ça va. J'ai jamais été... En fait, le seul endroit où j'ai été à temps plein, c'est la première année où j'ai travaillé. J'étais à 38 heures par semaine. Mais ça va, vous parlez d'eux, c'est pas hyper loin de chez moi. Volcan Rondon, déjà sur lui je l'avais pas. Mais je trouve beaucoup plus agréable sur Mario Kart 8. Sur Mario Kart 8. Les quoi qui genre complètement. Comment? Les quoi qui genre par rapport à l'Opus 8? Absolument rien. Ok. Non mais disons que Mario Kart 8 c'est pas le même jeu. Et enfin, je trouve que la façon de faire enfin, le gameplay par Mario Kart 8 a rendu ça m'a beaucoup plus agréable. D'ailleurs c'est plus cool. C'est pas une jeu de fusil d'ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression que la truc c'est plus cool que ça le jeu est un peu là-bas. Il était rigide Mario Kart 8. Mais c'est ce qui a fait que je devais lire en fait. Déjà à l'époque, j'ai plus fort que toute l'époque. Oh, 20 ans! Écoute. Fallait bien un jeu, j'étais plus fort que tout le monde. C'est 20 ans, quand même. Parce que c'était l'époque où j'ai pas encore strat chez Pokémon, donc. C'était quoi, 2007-2008? C'était l'époque où j'étais encore nul à Smash parce que je n'avais pas encore Lucas. Ouais.
bleu qui arrive devrait arriver avant, je pense. Pas pour pas, il y a un smash un petit peu. Déjà qu'on pourra sortir parce que je supporte pas de la ligne de la. Oui, bah oui, de toute façon, tu sais me trouver. Hein. Oh, la triste. Allez, retard français, 64. Ah, faut pas cligner des yeux parce que cette map va aller vite. Vu quelqu'un tour en fait. Ouais, c'est un tour. Il a été génial, hein, c'est un repéré. Ah, c'est terrible. Une erreur était. Oui, mais c'était pour ça que c'est un repéré. Oh, c'était bien, c'était marrant, bien vrai. C'était pour assouvir ma domination sur le collège. Hein. Un goal de nouveau. 1h07.22 le 32. On prend. Attends, j'ai regardé, c'est pas le PB de. Ok, circuit aussi de la GameCube. Très technique cette map aussi. Je me rappelle, il y avait un parcours que j'arrivais jamais à passer. C'était pas celui après la grotte et il fallait pas plus chercher rien pour aller en dessous. Exactement. J'arrivais jamais à passer le temps. Il était chaud à prendre celui-là. Après le truc c'est que moi dans la carte de double dash, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai pas joué. Vraiment. Parce que j'ai plus de GameCube. J'ai plus mal de GameCube aussi. Tu dois entendre un truc complètement de dos. Oui. Mon frère a réussi à perdre sa GameCube. C'est un concept. C'est un concept, hein. Il a réussi à perdre. Elle était dans sa chambre. Quand il était branché, il t'a réussi à la perdre. C'est un concept, hein. Très très gros concept. Après on a encore nos manettes. Et sur Smash, GameCube c'est tellement compliqué. Bah je ne sais pas jouer à Smash à GameCube. Tu joues quoi? Tu joues à Metro? Metro. Et sur Wii, je jouais au classique contre leur poids là-haut. En fait là c'est ce genre de manettes très bien entre guillemets, j'ai rien d'avant. J'ai joué un temps au Wiimote Nunchuck parce que je trouvais ça plus confortable. C'était confortable en vrai. Ouais, vite fait. Parce que c'était confortable, mais pour Smash c'était pas idéal. C'était pas idéal, ouais. Pour Zelda c'était cool. Ah, pour Zelda c'était incroyable. Tirer à l'arc. J'ai encore mon Zelda pour les Princess vidéo. Ouais. Moi j'ai encore mon Zelda Minish Cap. Bah tu vois, là c'est un jeu de série dans les Gotham. Moi c'est nice. Vraiment pas fan du jeu en général. Même si j'ai adoré Breath of the Wild.
justement parce qu'il cassait les codes de la série. Breath of the Wild qui fait encore suer sur JBZ d'ailleurs. Encore ? Ah ouais. Oh, faut pas aller sur GDC. Hein. Je vais sur GDC aussi. Je suis allé une fois. J'ai vu le cancer. Ah, GDC, c'est une expérience à dur. C'est autre chose. Ah, c'est une expérience à dur, GDC. Hein. En vrai, sur le fait qu'ils ont réussi à réunir tout l'autisme du monde, à le concentrer, à le multiplier et à le distribuer également à tous les utilisateurs. Et je savais même pas que c'était possible. Après, enfin, je peux comprendre que certains aient du mal parce que bah ils cassent les codes, enfin ça n'a rien à voir avec la classique. Je suis arrivé à Route Arc-en-Ciel 64, 9 secondes derrière mon PB de 32 courses. Donc on est potentiellement sur un très très bon. Alors là cette map en 200, j'ai longtemps cru que ce serait très très difficile, mais en vrai ça va. Tu m'as déjà fait ça. Ouais. Et bien, mes trois courses préférées de ce Mario Kart là sont dans les DLC. Intéressant. Après, enfin, si le contenu DLC est mauvais aussi, bah. C'est pas ouf. Oh, il y a encore des gens sur qui je peux sortir des House Man avec des billets, tu vois. L'air du House Man. Et tu vas voir Who's Mad. Et alors tu leur fais le Who's Mad chanté par la doubleuse de Dorothea. Et accompagné au piano par Josie J. Who's are feeling the bad. I don't understand. Hoes are feeling the mad. le pire dans l'histoire, c'est que bah, enfin, je pense t'as remarqué, j'étais team banqué à fond, hein. Oh, mais. Bah, j'ai dit, je fais, ouais, c'est cool. Ah, bah, moi, j'ai joué le jeu du Osmed, hein. Ah, oui, sans fois le jeu de Osmed. Et tu sais, je suis sur le groupe Facebook francophone de Smash. Ouais. Oui, j'ai vu tes mèmes. Ah, t'es dessus. Oui. Putain, c'était plutôt terrible, hein. C'était drôle. C'était très très drôle, l'anime. C'était eu d'un tourment, vous savez. C'était une mine. Ah, c'était tellement pas mort. C'est là qu'on récolte la moitié du chat français. La totalité du chat français. La totalité du chat français, celui-là. Le triple du chat français. C'était. Oh putain, le bébé. Attends, c'est vraiment toujours pas contre un petit DLC d'Ante. Voilà. Moi j'attends le DLC Pyrobut, tu vois. Tu vas bien. Mon problème avec Pyrobut, c'est que. En fait, c'est pas que je suis contre Pyrobut encore. T'as encore un vocal à le faire ? Même pas. Encore un Pokémon bipède. En fait, enfin, ce serait même pas une histoire de jeu encore un Pokémon parce que bah. Je peux rien dire parce que Fire Emblem quoi. Ouf, écoute. S'il y a bien un truc que j'ai appris de mes années d'internet, c'est que tu peux toujours ouvrir tes lol. Même si, on va pas se cacher, le jeu serait tout aussi bon sans Lucina et Pro. Voilà. C'est en disputé 3 ? Non. Ah. J'ai fini le 32 à 9 secondes de mon PB. Oh, c'est pas grave. Le souci, c'est que si on a un futur rebut pour n'importe quel jeu, c'est une race pour tout la chair alors.
tu vas pouvoir voir absolument... Oh, les Epic Quests, non. Tu vas pouvoir voir absolument tous les gens lead by lead. C'est dire, ouais, mais c'est pas pareil, parce que Pokémon, ben, c'est iconique. Bon, que surtout, enfin, iconique, mais il nique la Gen 8. Elle est bien, la Gen 8. J'ai pas aimé. Alors, les Pokémon sont corrects. Après, les jeux, je les trouve bien trop rushés, c'est ça le problème. Voilà, le jeu, il manque pas de développement. Après, voilà, il y a quelques dias. Bon, oui, il y a on est d'accord. Il manque quand même pas mal de mois de développement. Enfin, faut avouer que, voilà, j'ai testé le jeu en stream, je peux très clairement dire, mais il est rushé. Il est vraiment pas fini, quoi. Ça me désole en fait, ne serait-ce que par exemple, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de potentiel. Genre rien que l'intrigue avec Charman Rose, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de potentiel qu'ils ont tout caché. Non mais c'est pas grave, c'est la meilleure cutscene du jeu, ils vont faire en 3 images fixes. Genre putain, mais à quel point vous pouvez mettre une flemmard en mode aléatoire? La cutscene en mode aléatoire, comment tu peux mettre autant de flemmards pour juste louper peut-être l'élément le plus important de l'intrigue ensuite. Après, il y a un truc qui me décevra jamais d'un Pokémon, c'est la musique. Oui, l'OST de la Gen 8 est possiblement dans mon top des OST de celle de 2019. Ah oui, de 2019, tu veux dire. Pardon, de 2019. C'est bon. Même si 2019 a de très 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 sérieux concurrents. CS3. J'y ai pas joué, c'est que tu joues d'ailleurs. CS3 Alors ne commence pas par CS3 parce que. Tu peux commencer par Freddy de Skype, puis ensuite tu vas lancer en vrai, si tu cherches à jouer à un standalone RPG, il est ok. Ok. De toute façon, il sort sur Switch. Ouais. Si tu joues pour l'histoire, commence par. C'est crois-moi. Oui. Mais si t'as plus d'histoire que dans un Harry Potter en fait. Oh putain. Plus de texte. En fait, au niveau du texte, rien que un des épisodes, je crois, je sais plus lequel, a à peu près autant de mots que l'intégralité de la série Harry Potter. C'est 13 in the Sky et c'est. Non. Si tu combines les 3 13 in the Sky, t'as plus de texte que. Les 7 Harry Potter et CS3 a plus de texte que la trilogie 13 in the Sky. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non mais c'est ne serait-ce que par exemple la fanfiction la plus longue du monde, elle n'arrive pas à la cheville de CS. Je crois qu'ils étaient... En termes de texte. J'avais fait une soirée, je crois, c'était... J'avais joué de 20h jusqu'à 1h du mat. Et j'ai dû faire plus de temps, le jeu avait plus de parlotte que de jeu. Sachant qu'en fait j'ai mis le texte en lecture automatique en fait. Je suis à moins 34 actuellement là. J'ai la paix un bot là. Moins 43. Sinon, enfin, niveau OST 2019, bah déjà il y a DMC5. J'y ai pas joué. J'en ai entendu du bien. Il y a 3 maisons aussi. Les musiques de 3 maisons sont incroyables aussi. Il y a God Shatter Star qui n'est pas dans Smash. Voilà. Bon, il y a aussi. Chasing the Break. Chasing the Break. Between Heaven and Earth. Apex of the World, c'est bon. Metroid quand même. Mais le problème d'Apex of the World, vas-y, il y a un jeu auquel j'ai joué. Auquel vraiment je recommanderais pas. Je vous en parlerai, mais. Il y a un jeu auquel j'ai joué cette année-là. Que vraiment je vous recommanderais, que je trouve très très cool. Mais qui est assez compliqué à prendre en main, c'est Mo et Sanctuary. C'est un jeu de plateforme.
ça m'intéresse donc. Tu contrôles une espèce de blob en fait, qui se déplace dans une dans un laboratoire scientifique, qui peut prendre le contrôle de ses autres, en fait, pour contrôler les pensées, pour lire les pensées, etc. Enfin, c'est super. Et ça sort sur Switch prochainement. Attends, je vous mets le nom. Ah c'est bon, alors pour 3 maisons, il y a une musique, un truc que j'aurais jamais cru dire un jour, mais Shambhala. Oui, oui. J'aurais jamais cru dire un jour que j'apprécierais un morceau que je crois que beaucoup. Moi c'est du dubstep. Dose, Miss Leader et du dubstep. De la... Un morceau de pure dubstep. Dans un film assez orchestral. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, moi. Pour... Attends, même pour tout Shambhala, la musique, même la zone, j'étais pas prêt. J'avais pas compris, moi. Et du coup, c'est trop bien. Et puis après, bah, God Shattering Star. Voilà. Mais dans mon head canon, c'est Nemesis qui chante. Oui, apparemment, c'est le canon de pas mal de gens, en plus. Voilà, désolé, j'étais... J'étais en train de faire un petit changement entre mon portable et mon... PC. Entre mon ordinateur portable et mon PC, en termes de connexion. Une série que j'ai faite cette année. Non, pardon, non, que j'ai faite en début 2019, plus ça compte, c'était quand même 2019, donc c'est pas en 2019. Toutes les USB de la série comme t'en as pas. Ouais. Enfin, c'est là mes regrets du deck de ne pas m'en prendre à. Alors, honnêtement, c'est pas si long que ça à jouer. Donc, si t'as, je dirais, si t'as une semaine. Si t'as une semaine où tu fais rien, tu peux te faire au moins les deux premiers opus. Ils sont à combien? Ils sont à... je crois qu'ils sont à 15 balles et 10. Par contre, le 3 est un peu plus cher comme ils sont en termes de l'univers. En fait, j'ai pris une semaine... En fait, tu vois, avant le Covid, en fait, j'avais pris une semaine de congé pour que ça tombe entre la fin de mes intensives et le mois où je devrais commencer mes stages, donc ça va être ça. D'accord. T'as le bundle avec les 3G à 55€ sur tout. Ça va. Et alors, en parlant de Danganronpa V3, alors, il s'avère que Trails of Cold Steel 3 est traduit en français. C'est le premier jeu auquel c'est arrivé dans la série. Et alors, il y a des défenseurs de Core Media, donc, qui est l'éditeur en français du jeu, qui disent oui, c'est le traducteur de Danganronpa V3 qui fait la VF de Cold Steel 3, donc ça peut pas être mauvais. Elle est mauvaise? La VF de Cold Steel 3? Ouais. Alors, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, et c'est ça. En fait, disons que ça a été fait par quelqu'un qui ne connaît pas la série. Ah. Et c'est une faute, je pense. Et c'est une faute. Ça, c'est terrible. Non, mais de base, si tu donnes ton boulot de traduction à quelqu'un qui n'a pas joué à une série, c'est impossible. Et en fait, même à côté, il y a un truc qui m'a fait hurler. En fait, c'est que dans le texte en français, ils ont mis, sans vouloir, hein, je pense que vous ne voulez pas, ils ont mis un méga spoil de toute la série. Parce qu'en fait, après, le truc, c'est il y a une responsabilité. C'est la langue française. En fait, le truc, c'est que la langue française est une langue qui est genrée. Oui. Qui a du mal avec les pronoms neutres en fait. Bah, c'est pas qu'il y a... En fait, c'est pas qu'il y a du mal, c'est qu'il y en a pas. C'est ça. Et c'est justement ça le problème. C'est qu'en genrant un personnage, ils ont spoilé les personnages en question. Enfin, bon, je vous pas compter que je suis en train de compter parce que, bon, peut-être que vous avez fait, mais. C'est pas eux quand même. Ouais, voilà. Et donc, j'ai gueulé à l'éditeur d'essayer de trouver un terme neutre. Et ils l'ont laissé dans le jeu quand même. Mais bon, si
Ah oui, bon, non, pas forcément un train pour nom neutre, oui, mais bon, tu peux toujours bypass. Et c'est trouvé un truc neutre, tu vois, c'est trouvé un truc neutre. Là, des mots, ça existe, hein. Parce qu'en fait. Moi, c'est moins fluide, par contre, niveau speech. En fait, le truc, c'est qu'en anglais, le personnage en question s'appelle The Gun Master. Ouais. On est d'accord que c'est totalement neutre. Bien sûr, tout à fait. Et ben, en français, elle s'appelle la Grande Prêtresse. Ouais. Pour moi, c'est pas un spoil parce que j'avais joué à un jeu précédent avec un patch qui fait que les personnages parlent, que tout le texte de tout le jeu est doublé. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait de jeu en question avec le patch, il le savait pas. C'est ça. Et moi, ça me fait hurler, enfin. Après, on cobrit encore, bah, y a les Bracers, qui sont appelés les Brazers en français. Ok. Les Brazers, voilà. On se comprend. Et voilà. Ouais, c'est ça, c'est quand tu connais la référence, c'est très, comment dire, c'est unfortunate, si tu veux. Absolument. En français, si tu voulais faire un nom ok, t'aurais mis les Brassards. Okay, parce que c'est à quoi ressemble leur logo en fait, un brassard. Et le pire tout pire, c'est donc le S-Craft de Rim, le héros. Donc en anglais et en japonais, si je traduis mot à mot, ça donne Seven Slash Fallen Leaves. En français, c'est Taillette Croisée Feuille Morte. Moi, ce que c'est le slash, du coup, c'est quoi, c'est un niveau, il y a un niveau justement parce que seven slash ça implique qu'il y en a six. Non, en fait, c'est la septième forme de Eclipse One Blade. D'accord. Oh non, mais non, mais t'es. Oh non, mais t'es sérieux. De quoi, la blague? Non, mais non, le horn. Oui. J'ai pas vu la bleue en fait. En fait, j'ai pas vu la bleue. En fait. Tu finis quand même par... Oui, ouais. Il y a un autre jeu que je peux vous recommander. Je n'ai pas joué, c'est Ghost Punch Bag. Le problème, c'est que j'ai déjà beaucoup trop de jeux à faire, en fait. Voilà. Et donc, pour finir sur les traductions pourries de CS3, ça, c'était visible dans la démo. En fait, le Brave Order de Yuna, en anglais, il s'appelle Sledgehammer. En français, il s'appelle Marteau Rouge. Marteau quoi ? Marteau Rouge. Oh non, sinon ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Marteau Rouge. Non, c'est 100% illégal. Non, c'est même pas qu'elle était Google Trad, parce que même Google Trad sait ce que c'est, cette chana. Et d'ailleurs, en parlant de Sledgehammer, c'est ça qui casse le jeu en fait. C'est vraiment. En fait, c'est comme ça que le boss. C'est comme ça que les boss du jeu durent à peu près 10 secondes. T'as joué à FF13 ou pas? En fait, si tu veux, les personnages en dessous de leur jauge de. Enfin, les ennemis en dessous de leur jauge de vie, ils ont une. Ils ont une deuxième barre qui s'appelle la barre de break. Une fois que t'as break un personnage, non seulement ça le stun. Mais ça leur fait passer un tour. Ça leur fait passer un tour et chaque fois que tu leur fais une attaque, les dégâts infligés sont augmentés et ça te fait une link attaque. Ouais, bon c'est, bon, bah, c'est exactement comme dans Octopath quoi. Ouais ça. Ok, donc comme Strackle dit, ça sent très bon de PV ça. Oui. À moins que tu fasses un truc complètement désastreux sur la fin. Ouais. Et donc du coup, Sledgehammer, ça augmente de 300% les dégâts que tu infliges à la jauge de break. Aïe, oh. T'as oublié des futures. Ça augmente de 300% les dégâts que tu infliges à la jauge de break. Pendant 4 tours des personnages. Ouais. Donc voilà, c'est débilement fort, mais c'est balanced. Parce que ça ne dure que 4 tours. Et parce qu'il n'y a pas d'effet derrière.
Parce qu'il y a des persos invités qui ont ce genre de truc mais qui donnent 50% de chance en force. 50% de plus en force, tu vois. Et après, bon, j'ai pas encore commencé à évoquer Rin, parce que bon, Rin... Déjà, Rin dans CS1 et CS2, il cassait le jeu, mais dans CS3, il le casse encore plus. Et c'est Orb qui m'a initié, Orb qui m'a montré qui m'a montré pour les trucs comme ça, en fait. Attends, tu peux regarder ce qu'il y a dans le Humble Bundle de ce mois-ci, je vais faire ça tout de suite. Ah merde, je sais pas si on peut passer par ta base. Je sais pas si c'est sûr, je vais le voir. Vas-y, vas-y. J'ai perdu qu'un dixième de seconde, ça. Bon, ça apporte, ça prend un peu de temps. Non, j'ai perdu qu'un dixième de seconde sur Animal Crossing. Ça va. Ah, DMBC. Allez, on va s'amuser. DMBC, si tu veux, c'est le... C'est la map au début que je détestais de tout mon être. En 150, et que j'ai appris à clipper, t'es maintenant dans mon top 3 des maps préférées du jeu. Ah non, moi c'est pareil. D'ailleurs, passage feuillage que t'as vu plus tôt, c'est ma map préférée du jeu. Et c'est la chute. J'ai Je pense que nous avons perdu. Non, c'est quoi là. Enfin, oui, mentalement. Ok, donc c'est pas trop mal. Il y a quoi? Alors, il y a My Friend Pedro. Planet Booster plus un DLC. F1 2019 Anniversary Edition. Felsil Habitat Mark. Battle Chasers Night of Force. Oh, mais quel mieux. Hexapunks, je crois qu'on plus. Turok. Death Gambit, ouais. 1980X, Wolf-Life, AI War 2 et Overdown. C'est honnête ce que j'ai. Et je dois choisir 10 parmi les 12. C'est honnête. Sachant que tout est débrayé, je n'ai pas choisi le jeu très bien. Mais d'ailleurs, tu l'as pris où, Animal Crossing d'ailleurs? Tu l'as pris en. Tu l'as pris en. Oui, mais tu l'as pris comment? Tu l'as pris sur le. Sur Rail? Mais tu peux le prendre sur. Tu pouvais le prendre sur Asmo Gaming, hein? Bon, non. Je préfère pas me faire chier et aller comprendre. Parce qu'en vrai, genre, j'ai toujours pas choisi tous mes jeux de certains mois. Genre, par exemple, de décembre, j'ai encore 7 choix. Janvier, j'ai encore 7 choix. Février, j'ai rien choisi. Je peux t'aider à choisir, si tu veux. Décembre, j'avais pris Shadow of the Tomb Raider à la place. Bah tiens, j'ai un choix, moi. Normalement t'es pas censé avoir un choupon en hein. Le truc c'est que j'ai pris l'item en deux mais je peux doubler le battre. C'est une frappe hein, d'avoir l'item 2. Malinx de la. Bon. Ensuite on a dans les autres gestions de j'ai pris. Après il y a Ancestor de l'objectif, en fait le truc c'est que t'as 10 jeux, donc je peux prendre les 10. Mais en vrai, on va légèrement les autres jeux. Au Burt, on fait une raffle pour. Ça. Bon, après, c'est pour ceux qui n'ont pas le Humble Bundle. Hein. Oui, moi, j'ai pas Humble Bundle en bas. En fait. Je vais prendre de temps en temps les Humble Bundle. Ouais, par exemple, j'ai des jeux qui étaient dans le Humble de novembre, je peux pas télécharger. J'en ai un Humble Choix, tiens, ça va rentrer la
j'ai vu qu'il y avait un bon bundle en ce moment avec des jeux Capcom. Dont les Megaman, tu vois. Rumble Capcom Megaman. Faut que je me le prenne, mais j'ai pas de fric en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a avec 1€ en gros, je suis un Strider Megaman Legacy Collection et Resident Evil. Avec 1€, je suis un Megaman Legacy Collection, Resident Evil 0, Resident Evil Revelation, Resident Evil Revelation Plus 2, et des coupons pour d'autres jeux. Avec 20€, t'as Megaman 11, Street Fighter, 35th Anniversary Collection, Dragon's Dogma. J'ai perdu 2 secondes sur Ruban. DMC 4, Resident Evil HD et Dead Rising 4. Et c'est tout. Dans 2 secondes. Donc là, c'est ma deuxième map préférée du jeu. Ouais, mais trop chargé. C'est de trop bon. Et il est fou. Ah et, ouais. Et fun fact, sur MK8U, c'est la map que j'ai le plus têté. Ouais, ouais. Et c'est la map qui avait perdu une Switch pour un point. La Mohawk certifiée depuis... La Mohawk certifiée depuis 1996. Et un métro, hein. Bon, si tu veux, je te filerai quelques jeux, parce qu'on a pas mal de qui sont disponibles dans la France. Ils sont gratuits et fidèles. Et sans aucun délai. Ouais, tu peux les faire, genre vraiment... Pas dans la gueule. Mais ouais, t'as quand même pas mal de trucs qui sont... J'ai probablement perdu une ou deux secondes sur... Oh, c'est toi, t'as 140 qui m'a suivi, je savais pas. C'est quoi? C'est un jeu, un mix entre un jeu de... Oh! En gros, c'est un jeu de plateforme, mais toutes les plateformes sont en mix en fait. Perdu 6 secondes. C'est-à-dire que tu dois suivre la chanson pour bien... Bon bah oui, à mon avis... Ouais non, c'est un bon celui 40. Comment il s'appelle? 140. Sinon, dans le meilleur jeu de rip, il y a les Rhythm Paradise. Okay. Je sais pas ce que je veux dire. Il est sorti sur Switch récemment d'ailleurs, 140. Donc là, à partir de d'aujourd'hui, on n'entend plus parler d'Orbe sur Discord. Parce que CS3 sort sur PC, sur Steam. Et... voilà, là, j'ai posté le jeu. Déjà, à l'époque où CS2 était sorti sur PC, on n'avait pas vu Orbe pendant 10 jours. Jusqu'à ce qu'ils le finissent. Moi, vu que c'était... Normal. Et moi c'était l'année dernière et je pense que tu te souviens de l'état dans lequel j'étais tous les jours quand j'entrais des cours l'année dernière. Au printemps, au moins j'avais déjà accepté l'IEJ, donc au moins j'avais déjà plus rien à foutre des cours en fait. C'était un jour, Goyard il me sort, ouais Mathieu je vous sens un peu absent aujourd'hui. Déjà que la photo, franchement, j'adorais ces cours à Goya. Oh, mais non, honnêtement, genre, la photo. Alors, on va pas se mentir. Pour être propre anglais, pour passer par des licences d'anglais, la photo, c'était chiant. Mais franchement, j'adore ce cours. C'est trop bien, photo. J'adore son cours à Goya, mais franchement, j'ai plus rien, quoi. Et mais. Une 39-44. Je te jure, la photo, c'est legit un des cours préférés, hein. C'est trop bien.